Vous êtes prêt, Emmanuel? Allez-y. Un petit peu tendu quand même. Hein? Non, non, serein, serein. Le mariage est un moment marquant dans la vie d'un homme et je suis ravi de participer au tien. Ma chère Sixtine, ma chère sœur, ou comme j'aimais t'appeler quand nous étions plus jeunes, mon cher lapin, que tu t'en rendes compte ou non, tu as toujours été un exemple dans ma vie. C'est pourquoi ce soir, je suis très honorée d'être ton témoin. À l'adolescence, on a passé plusieurs années entre mecs, et la plupart sont ici aujourd'hui, à chercher des guerres sur AmiRC, à manger des pâtes 5 jours de suite sans voir le soleil. On ne l'admettra jamais, Emmanuel, mais tu étais notre meilleur joueur. Quel sacré Roger. Sacré Roger. Et ça suffit, en fait. Mais un jour, tu t'es dit qu'il y avait de la lumière à l'extérieur. Tu es sorti de notre cave pour découvrir le monde. Tu as découvert Paris la nuit, les karaokés, les vins français. Et surtout, surtout, tu as trouvé ton soleil. Pour toi, le soleil mesure 1m63. J'ai fait mes recherches, à des cheveux longs, des yeux bleus et une chaleur incroyable. Ma Sixtine, 6 ans et 2 jours que nous sommes ensemble. 6 ans de bonheur à tes côtés, mais qu'est-ce que le temps passe vite. Mickey. Super. Comme tu le sais, ça n'a pas forcément été facile, puisque tu as quand même mis un bon mois avant de répondre à mes premiers messages. J'ai jamais lâché l'affaire, j'ai jamais perdu espoir qu'elle me réponde un jour. Alors je me remémore ces 6 belles années passées ensemble, et je m'amuse à l'idée que tu aies pris ces 2 places pour aller voir un match de rugby et t'entendre dire « c'est quoi un en avant ?» I was waiting for the moment to arrive. Et depuis ce jour, tu t'es donné pour mission de réaliser mes rêves. Aujourd'hui, tu en réalises un de plus en nous mariant ici, entouré de ceux que nous aimons. T'es belle, c'est bien. Elle est bien. C'est bon, mon cœur. Durant ces 6 années, on a grandi ensemble. Nous avons appris tellement sur nous, sur l'autre. On s'est enrichi de nos expériences, on a partagé 1000 souvenirs et on a ri tant de fois. On s'est aimé si fort. Ensemble et avec vous tous, nous avons partagé des moments riches en émotions, des instants de joie intenses et des chagrins inconsolables aussi. Dans ces épreuves, notre amour s'est renforcé et puis tu as demandé ma main à mon papa avant son dernier voyage. Sois assuré que notre papou est ici, présent à nos côtés, en ce moment si précieux, et qu'il te dirait quelque chose comme cela. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai près de vous, et si vous écoutez votre cœur, vous percevrez tout mon amour éternel. Monsieur Emmanuel Villela. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Sixtine Renard, ici présente? Oui. Moi, Sixtine, je te reçois Emmanuel comme époux et je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Emmanuel, je te reçois Sixtine comme épouse et te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Madame Sixtine Renard, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Emmanuel Villela, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Emmanuel Villela et Madame Sixtine Renard unis par le mariage. Félicitations.
voilà mari et femme, prêts à poursuivre notre histoire, main dans la main, to infinity. Ce mariage est un nouveau chapitre de notre magnifique histoire d'amour. Je t'aime plus que tout. Si vous êtes ce soir dans cette salle, c'est que vous comptez énormément pour nous deux. C'est ce que je disais tout à l'heure à Sixtine, on n'a pas forcément l'occasion d'avoir de réunir dans une seule et même pièce toutes les personnes qu'on aime le plus sur cette planète. Donc pour tout ça, merci beaucoup.